Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure sur Lord of the Fallen, sur PS5. Cependant, il n'y a pas de version PS5 de ce jeu. C'est une version PS... Enfin, c'est la version PS4 améliorée, du coup. Normalement, les temps de chargement vont être excessivement rapides. Et bien sûr, nous faisons un clair, hein. J'ai passé très rapidement sur les classes. Mais c'est pas le plus important, hein, les classes. C'est juste un équipement de départ, après on fait un peu ce qu'on veut. Il était une fois un homme dans la neige. Oh, et en plus Claire, vous avez vu comment c'est stylé l'armure qu'on a? Oh, honnêtement on est beau gosse. Dieu déchu, créateur et destructeur de monde. Entendez mon serment. Entendez mon serment de rébellion. Oh ouais, faut faire des clones et tout. Je vois que vous m'avez entendu. Alors, spoiler, on se bat pas contre lui dans le jeu, hein, il me semble. Du moins, je l'ai terminé, j'ai pas de souvenir qu'il y avait des ennemis géants comme ça. Le monastère est droit devant. Reste à savoir s'il est encore sûr. Dans tous les cas, notre quête pour retrouver Antanas touche à son terme. J'espère qu'il vaut le prix du sang versé en chemin. Il a réveillé un démon, quoi. Alors, on peut se déplacer. Rond pour faire des... Rond pour faire des roulades. Oula. Ah non, c'est rond pour utiliser les pouvoirs, ok. J'avais pas compris. En même temps, j'aurais dû lire, hein, pour comprendre. C'est compliqué de... de comprendre sans lire, quoi. Et voilà, le premier ennemi a été vaincu. Le premier ennemi a été éradiqué, je dirais même. Alors, Lord of the Fallen, c'est un... Soul-like. Eh oui. Encore un Soul-like. On aime ce genre de jeu. On apprécie ce genre de jeu.
Les monstres continuent à affluer. Nous résistons, mais nous sommes trop peu nombreux. Leurs mouvements sont répugnants. Ils se contorsionnent et adoptent des poses contre nature. Et leur odeur... Comme si le feu et la mort vous envahissaient les narines. L'une des créatures que nous combattions nous a craché dessus. J'ai reçu de la salive dans l'œil. Elle m'a brûlé. Et elle continue de brûler en moi. Ok, ça brûle en moi. Verrouillé. Vous perdez toujours du sang, Caslow. Les regards ne vous ont pas raté. Je ne t'ai pas fait sortir de prison pour que tu te soucies de moi. Exempt, vous ne me serez d'aucune utilité. Je vais tâcher de t'épargner le désagrément de ma mort. Merci, c'est très agréable de ta part. Une fois dans la citadelle, comment trouver Antanas ? C'est le chef de l'humanité tout entière. Trouvons ses gardes et nous le trouverons. Il y a des survivants ? Jusqu'ici, je n'ai vu que des cadavres. Aucun survivant. De toute évidence, les regards ont envahi l'enceinte du monastère. Antanas aurait donné sa vie pour protéger les siens. S'il a survécu, il est possible que d'autres aussi. Bon sang. Il doit y avoir un moyen d'ouvrir la porte. Un interrupteur, peut-être. Ou une clé. Ok, il faut trouver un interrupteur et une clé. D'ailleurs, nous allons... tenter de trouver les rolls. C'est bon, j'ai trouvé. C'est croix, c'est un peu bizarre. Dans les souls, d'habitude, c'est... C'est rond. Là, rond, il sert à quoi? Ah, c'est les pouvoirs. C'est le pouvoir rond. Comment on récupère des points de vie, vu que j'ai perdu la moitié de mes points de vie? J'aimerais bien récupérer mes points de vie. S'il vous plaît. Comment je fais? Comment je fais pour récupérer mes points de vie? Non, c'est pas là. Affichage, commande. Oui, commande. Changer de cible, configurer la manette. Parcourir les armes. C'est où? Ok, c'est carré. Hop là. On boit une petite goutte. Une petite gougoutte. Maintenant, on est full vie. Il peut rien nous arriver maintenant. On est assez lent hein, quand on frappe. C'est assez désagréable. Moi j'aime les choses rapides. Oh, ça se casse pas. On prend des dégâts quand on part. Faut faire attention. D'ailleurs, je vais faire aussi attention à mon... à ma barre d'énergie, pour éviter de faire des bêtises. Et de me faire surprendre, surtout. Ce serait dommage de mourir dans la première vidéo. Même si, bon, c'est un soul-like, hein, mourir, ça fait partie du jeu. Ah voilà, c'est qui le patron ? Alors, de mémoire, le jeu est assez court. Après, moi et ma mémoire. Hein. J'ai pas une mémoire légendaire. Qu'est-ce que c'est? Une bouteille vide. Incroyable. C'est le meilleur loot qu'on peut trouver, hein. Une bouteille vide. Bien sûr, on roule dans tout. Hein. Ça aussi, ça fait partie du jeu de tout casser, quoi. Après, ça va, quand on part, on prend que un point de dégâts. Ça reste acceptable. Ça, c'est beaucoup moins acceptable, le 10 points de dégâts que j'ai pris, là. Le mal est en moi. Et il me change. Mon crâne. Je sens les os qui bougent, j'évolue. Ce n'est pas du poison qui me court dans les veines, plutôt des ténèbres liquides. Les symptômes suivants, nous les connaissons. La vue disparaît, puis la santé mentale. Frère William,
Frère Peter et moi ne laisserons pas le mal nous emporter. Ah, c'est que des prêtres, quoi. Nous choisirons la mort. En même temps, on est plus ou moins dans une église. Du coup, ils se sont suicidés. C'est triste, hein. Presse F pour payer votre respect, bien sûr. N'hésitez pas à payer votre respect, il le mérite. Il le mérite. Ah, désolé, hein. J'ai du mal avec les touches pour le moment. En même temps, c'est la première vidéo, hein. Il faut que je m'habitue au jeu. Je me suis pas échauffé avant la vidéo, hein. J'ai directement lancé le let's play sans toucher au jeu, quoi. Enfin, j'ai fait le jeu, mais il y a très longtemps. Le jeu est sorti en même temps que Seigneur des Anneaux. L'ombre. Non, pas l'ombre de la guerre, c'est. Ben, c'est le premier. Le premier qu'il y avait sur PS4. Je m'en souviens parce que. À l'époque, ils avaient mis Lord of the Fallen au lieu de Lord of the Ring dans mon boîtier. Comme ils enlèvent les jeux des boîtiers. Au moment de mettre mon jeu dans le boîtier, ils ont mis Lord of the Fallen au lieu de Lord of the Ring. Les feux à l'horizon se propagent vers notre village. Je t'en supplie. C'était un grand moment. Prudent. Quelque mal est à l'œuvre, je le sens. Tu peux toujours quérir asile ici, au monastère. Quoi qu'il arrive, Antanas peut nous sauver. De grâce. Veille sur toi. D'accord, je vais veiller sur moi. Enfin, c'est pas moi qui parle en vrai. Du coup, j'ai dû faire demi-tour et retourner pour avoir mon Lord of the Ring. et bien sûr, je vis pas à côté du magasin, du coup j'avais 1h30 de bus. Et je m'en suis rendu compte, bien sûr, qu'arriver chez moi, hein. Je m'en suis pas rendu compte avant. Oula, 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 oula. Calme-toi. Ah, on prend un peu cher. Hein. On va regen un peu. Bien sûr, regarde-moi bien, regen. Hop là! Aïe aïe aïe. On se fait bien martyriser par cet individu. Ah, oh là! Alors? Tu me respectes ou pas? Est-ce que vous avez un peu plus de respect pour moi ou pas? Respectez mon autorité. Éclat d'énergie. Ok, on peut pas passer par là. Et là, on revient au début. J'ai même pas fait attention si on avait looté les... Comment ça s'appelle ? La clé. Alors, il me semble qu'il y a un chemin là. Ah non, c'est pas le concours. Comment on fait pour courir et sauter ? Ok, c'est bon, j'ai trouvé. Du coup, hop. On court et on saute. Ah, oh, on a eu chaud. Ça, je m'en souviens parce que j'avais essayé de faire le platine de ce jeu. Avec le plus grand... Oh, j'ai eu chaud. Avec un bel échec. Et on est venu ici pour rien, bien sûr. On est venu ici pour rien parce que... Il faut une clé. Ah, ça c'est les réflexes de Demon Soul. Genre je fais rond pour courir. Alors que là, rond, ça utilise un sort. J'ai trouvé une clé. Qu'est-ce que tu attends? Ouvre la porte. Un peu d'aide ne serait pas de trop. Tiens, voilà qui devrait t'aider. M'a donné quoi? Quoi que t'aies m'a donné, le vieux. De temps en temps il y a son casque, de temps en temps il l'a pas, c'est un peu bizarre. Hein. Oh là là!
Enfin, le vieux il est parti dormir, hein. Le méchant. Eh oui, c'est lui, c'est le méchant. Il fait le chaud. Allez, viens, on va se la donner. Pour l'instant, il est en train de me ridiculiser. Vas-y, attaque mon clone. C'est bon, il est débile. Ouah, ça va, il a pas beaucoup de points de vie en vrai. Bon, j'ai vu le premier coup qui s'est pris. Ah, j'ai pris un coup. Oula! En vrai, il me tape moi et mon ombre en même temps, quoi. Et voilà, phase 1 terminée. Contrairement à Demon's Souls, il y a des phases au boss. Il n'est pas gratuit toute sa vie, quoi. Il est que gratuit au début. Oula, on a eu chaud. C'est pas la meilleure arme, celle-là. Enfin, mon équipement actuel est assez frustrant, je trouve. Oh, on lui a placé un petit combo, là. Ça va, pour l'instant, on gère bien. Honnêtement, je suis bon. Attention, il va avoir un retour de karma dans pas longtemps. Ah, pour l'instant, c'est la domination. Aïe. On le domine. Ah. On se prend des petits retours de karma, là. Petit à petit, on se prend des petites gifles. Par-ci, par-là, tu vois. Arrête d'être vilain. C'est pas bien d'être vilain. C'est mieux d'être gentil. Non, mais attaque mon image. Je suis en train de tricher, là. Ok, c'est bon, il attaque mon image. Bon, attends, on attend que mon énergie remonte. Ah. Ah, c'est terminé. Mais oui. On va le déglinguer. Ah. Non, c'est bon. On a eu chaud. Alors, faut faire attention parce qu'il peut nous toucher, on l'a vu. Hein. On l'a assez vécu. Hein. Et voilà la dernière phase. Oula, non, il faut pas mourir. Il faut pas mourir parce qu'il me reste 3 potions. Ce serait terrible de mourir avec les couilles pleines, quoi. My body is ready. Voilà. Ah. Je pensais pas qu'il allait me toucher. Ah. Bon, ouais. A plus, mon pote. First try. Est-ce que vous avez fait first try ce boss? Oui, faire first. Oui, je sais pas parler alors. Vous me jugez là comme ça. Et regardez. Est-ce que vous avez first try ce boss? Non. Moi, je l'ai first try. Eh oui. Boulot, c'est quel patron? Qu'est-ce que c'était? C'est Lord Wankaslo parle sans arrêt. Et voilà une meilleure arme, enfin je pense. En même temps, combien elle fait de dégâts? 5. Et la mienne elle fait 22. Elle fait 5 parce qu'il faut 15 en force. Ok. Du coup, on va mettre. On va bourrer la force. Hein. Si vous avez regardé le Let's Play Demon's Souls, vous savez que. On bourre la force ici. On met les vrais points de compétence. Non, mais c'est bon le tuto là. Alors. Force. Combien on peut mettre de points en force?
Ok, R2. Un point. Combien j'ai de points? 2 points. 3 points. Ok, 3 points. Tac, tac, tac. Et il me faut 15. Ah bah, rip. Voilà, on a 15 en force. D'ailleurs, utiliser. Alors, on va aller voir Caslo, là, qui s'est fait jarter par là, il me semble. Retrouver. Mais il est. Il a pas été jarté par ici? Ou alors il a été jarté de l'autre côté? Je sais qu'il a fait un vol plané. Mais. Ouais, sûrement par là. Ou alors il s'est cassé, quoi. Alors il a fait après son vol plané, au lieu de revenir, il s'est dit « Vas-y, je me casse. » De toute façon, le mec, il va mourir. Autant que je me casse, quoi. Ah, j'aurais peut-être pas dû utiliser le truc. Vu qu'en fait, ça m'a enlevé mon pourcentage en bas. Parce que plus vous tuez d'ennemis sans... Après avoir banni le dieu, les trois hommes appelés juges se séparèrent définitivement. Hormis leur objectif, ils n'avaient strictement rien en commun. Trois statues leur furent dédiées sur la place des juges, représentant les voix d'... Ah pardon, je pensais pas que ça allait le couper. Je pensais qu'il allait parler pendant le truc. Mais on a eu une armure de guerrier, qui me correspond un peu plus. Hein. On va laisser celle-là, elle est meilleure. Voilà. Distinctes qu'ils avaient suivies. Ces statues recèlent un secret qui leur tient office de cœur. Oula, par contre, les roulades. La pierre est son gardien. Les roulades ne sont pas restées fortes. Seul l'éclat des héros peut faire battre ce cœur. Et seule une force surnaturelle peut l'en arracher. Ok, marché conclu, mon pote. En plus, j'ai bien écouté. Oula, on s'est pris une petite gifle. Oula, petit coup critique là. Chaque victoire successive accroît vos chances d'obtenir. Ok, ouais, mais je le sais. J'étais en train de l'expliquer. Plus en gros, plus vous vous battez sans utiliser les feux, plus vous gagnez d'expérience. Et c'est signifié par le pourcentage qu'il y a quand vous tuez un ennemi. Ah, je m'attendais pas à ça. Par exemple, là, regardez en bas à droite, 1,06, et le prochain ennemi, ça sera un peu plus. On ne pourra plus résister très longtemps à de telles forces. Il faut trouver Azil. Une enceinte avec des soldats. Grand Antanas, nous arrivons. Préparez-vous à quelques dizaines de réfugiés. Ok. Les réfugiés... Une arme? Pas. Bâton de moine. Calme-toi! Je vois pas pourquoi il s'énerve comme ça là. Ils sont vraiment. Agressif, quoi. Qui étaient au juste les lords? Ils maniaient un pouvoir défiant notre entendement. Ils se battaient avec hargne et suivaient aveuglément leurs dieux. Quiconque tentait de leur parler, de les raisonner, courait à l'échec. Les lords n'étaient pas venus discuter. Ils n'avaient qu'un seul but, conduire l'armée Rogar contre les humains. Ah ouais. Les Rogar, du coup, j'imagine que c'est ces espèces de trucs, là. En fait, on a eu celle du guerrier, celle du moine. En fait, peu importe votre classe, là, vous pouvez vous équiper comme vous voulez. Ça change rien, en vrai, la classe au début. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai passé extrêmement vite. Genre, au début de la vidéo. Genre, j'ai pris tout de suite ma classe pour très vite rentrer dans le vif du sujet.
De toute façon, je rentre très vite dans le vif du sujet dans mes vidéos. Je fais pas des intros de 50 minutes. Là, pareil, vous voyez, si je touche ce truc, en gros, je vais perdre le pourcentage d'XP que j'ai. Et c'est cool pour récupérer des potions, tout ça. Mais comme vous avez un bonus d'XP, ça donne pas envie de le faire. Vous voyez là, je perds 0,14% de mon XP. Du coup, je préfère ne prendre le risque. En même temps, j'ai pas perdu beaucoup de points. Du coup, c'est peut-être pour ça que je prends le risque. Oula! On va essayer de l'achever lui. Ah! Le gros m'a bien mis deux tartes quoi. Tu fais le malin! Putain, ouais, je me suis décidé au dernier moment quoi de. Ah, je pensais que ça allait le tuer quoi. Et voilà. Calme-toi. Je t'ai dit que c'était moi le patron. D'ailleurs, il me semble que le jeu est assez court. Enfin, de mémoire, il est assez court. Après, peut-être que ma mémoire, c'est de la merde. C'est une possibilité. Hein. C'est une possibilité à ne surtout pas exclure. D'ailleurs, le jeu est assez beau. Hein. Il me semble que c'est tout au tout début de la PS4. Bon, ça se voit que... Genre, comparé à Demon's Souls, il y a un monde quand même. Mais il reste beau. Mais comparé à Demon's Souls, il est moche. Mais... Mais quand même, ça va. Est-ce que ça vous va? Est-ce que vous êtes convaincu? Bien si. Ah merde. Je m'attendais pas au revers. Oh le petit coup de pied là. Ah. Le petit neuf sans endurance quoi. C'est assez bizarre. Le gameplay est étrange après Demon's Souls honnêtement. Le gameplay de Demon's Souls est beaucoup plus agréable, je trouve. Là, le gameplay, je le trouve assez frustrant. Après, c'est peut-être que j'ai plus l'habitude. Peut-être qu'au bout d'un moment, quand j'aurai repris un peu l'habitude, ce sera beaucoup mieux. Mais pour le moment, c'est un peu frustrant, niveau gameplay. Ah bah, salut toi. T'as pas vu mon pote? Aidez-moi, par pitié! Est-il arrivé à votre main? J'ai été mordu! Le venin me brûle comme le toucher d'Adir! Ouvrez la plaie pour extraire le poison. Trop tard? Il s'est déjà propagé. Il n'y a qu'un moyen d'arrêter le venin. Séparer du corps le membre empoisonné. Vous voulez que je me coupe le bras? Mais vous délirez! Alors vous n'allez pas tarder à voir les juges. Je ne peux pas. Je refuse. À vous de voir. Comment ça, à vous de voir? Très bien, ça vous regarde. Ah bah, il a une hache dans la main, alors que c'est pas une hache que moi j'ai. Hein. Normalement, merci. Moi j'ai un marteau dans la main. Je vous dois la vie, étranger. Oula. Un instant. Tu vas mourir hein, si tu fais rien avec ton bras comme ça. Qui êtes-vous avec ces stigmates? Un cadeau de la cour. Un rappel de mes péchés. Je vous en prie, baissez votre hache. Il vous faut des soins. Vous ne tiendrez pas longtemps dans cet état. Ma foi, le moine guérisseur, c'est moi. Et non, l'ironie de la situation ne m'échappe pas. Vous devez avoir des provisions. Oui, au laboratoire. Mais l'endroit grouille de monstrueux regards. C'est sans espoir. Je n'y parviendrai jamais dans cet état. Tenez, prenez ceci. Oh, j'allais pas le laisser mourir. Hein. En plus, ça me coûte rien de lui donner une potion. Il
Vu que j'ai juste allé au point de spawn et... Ah. Calme-toi là, l'araignée là. J'ai pas envie de mourir d'une araignée à la con. Voilà. Oh, armure du sang chaud. On va regarder vite fait. 22 en armure. Elle est beaucoup plus légère. Vas-y, on va l'équiper. C'est nouveau, du coup, on l'équipe. Elle est où? Ah, c'était peut-être... Ah, c'était un casque, ok. Bon, ça va, il est pas moche, le casque. Du coup, on va l'équiper. Ok, c'est bon. Ah, c'est dommage que j'arrive pas à les tuer en un combo, quoi. Il me faut un peu plus de force. Voilà. Après, comme vous pouvez le voir, le jeu est pas très difficile, je trouve. Après, c'est peut-être parce que j'ai une certaine expérience du jeu, vu que je l'ai déjà terminé. Plusieurs fois, hein, j'ai terminé 4 fois, je crois. Après, c'était il y a 3 ou 4 ans. Ou 5. Mais c'est il y a plusieurs années. Et j'ai joué à beaucoup de Soul-like, du coup. Peut-être c'est pour ça que je fais un peu de lui ma catin pour le moment. Je pense qu'il va se venger dans très peu de temps. Ah, c'est dommage ça. Je pensais pas qu'il allait me toucher. Après, je vous avoue, les sorts, même à l'époque, je m'en servais jamais. Pourtant, c'est utile, hein. Genre, un leurre, c'est très fort, mais je sais pas, j'en vois pas l'intérêt. Le jeu est déjà assez facile comme ça pour ne pas le faciliter encore plus, quoi. Ah, un coffre. Quoi que c'est. Encore une armure. Putain, il y a des armures tous les 10 mètres, quoi. On va l'équiper. Voilà, je l'ai enlevé. Ah, c'est assez frustrant la façon dont c'est fait. Enfin, j'apprécie pas des masses. Oh, c'est stylé. Par contre, ah ouais. Ah, là, c'est fini. Hein. Les roulades, ça n'existe plus. My name is no roulade. Ah ouais. Et je peux pas taper. Je peux même plus me battre, quoi. Je m'attendais tellement pas à ça, quoi. J'essaye de taper et le jeu il veut pas. On va se remettre en clair. Hein. Ouais, voilà. Backstab. Pas mal de dégâts là. En même temps, c'est parce que je suis un peu pressé, du coup je pars même pas, quoi. Alors que si j'avais paré, j'aurais pas pris autant de dégâts. 9e nuit de garde. Comment les regards ont-ils pu pénétrer dans le sein? Ah, dommage. Enclave. Ils sont apparus. Ah, je l'ai payé, cela. Magie, le cimetière en regorge. Je dois alerter les autres. Fait trop le malin. Ah putain, il a raison de faire le malin pour le moment. En fait, tant qu'il m'agresse, je suis en difficulté. Et surtout vu comment je suis lent pour taper. Allez.
Hop là. Ah, le leurre. Le leurre qui... qui fonctionne mais à retardement. Et voilà. D'ailleurs, on va aller récupérer... Ouais, on va aller récupérer nos potions de soins. Sinon, je pense que... on va avoir du mal pour la suite. Mais au moins, on a plus besoin d'aller à gauche et à droite, là. Du coup, je pense que ça devrait aller. Ça devrait aller. Puis on va mettre un peu de force aussi. Je sais pas si j'ai assez pour mettre 4 points, il me semble qu'il me manque. Oui, c'est ça, 4 points. Ah, non. Dommage, il me manque encore un point. Et on va l'utiliser, bien sûr. Et là, on a perdu notre modificateur de... Ah, ça fait pas repop les ennemis. Ah. Ah, dans mes souvenirs, ça les faisait repop, hein. Ah, ok, bon, c'est tranquille, du coup. Ah, ouais. Ah, ok. Le jeu est facile, en fait, hein. Je suis arrogant, hein, mais le deuxième boss, je pense, il va me calmer. Il va me mettre deux gifles. J'ai même pas lu, hein. Ah, c'est assez frustrant. Quand ils avancent comme ça au pif. Ok, maintenant on les tue en 3 coups. C'est déjà une amélioration. D'ailleurs, on va regarder. Est-ce que l'épée elle fait des dégâts? Elle fait 38 maintenant. Ah, d'ailleurs, on a. Ah, ouais, on a eu beaucoup d'armes là. Ils sortent d'où tous ces armes là? Je les ai certainement loot et sans faire attention quoi. Pas eu de nouveau bouclier par contre. 40 points de dégâts, c'est pas mal hein. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je veux voir les combos de l'arme. Ok, c'est à peu près les mêmes. D'ailleurs, il faut retrouver Caslo. Hein. Peut-être qu'un jour. Un jour au bout du couloir, quoi. Ok, c'est pas par là. Oh ouais! Pas mal cette arme, hein. Putain, c'est... ça va me faire le même truc, hein. Là, les coups de pied, je les aime pas. Hein. Genre, j'ai vraiment pas envie de les faire, les coups de pied, hein, pour le coup. Tu vas y arriver. Tu vas y arriver à faire triangle. Brèche. Bretèche, pardon. Ah, mais... Ah, ok, c'est là. Ah ouais, je suis perdu, moi. Ouais, il faut me prendre par la main. S'il y a plus de deux chemins, je suis perdu. Y a quelqu'un ? D'ailleurs, comme je disais, il y a une dizaine de minutes, le jeu est assez court. Je pense une dizaine de vidéos et c'est terminé. Genre 10-12 vidéos et c'est terminé. Il me semble qu'il est vraiment très court. Ok, il y a ça là, on va l'utiliser. Ça ouvre la grille là, ouais. Et la grille là, ok. Ah. C'est notre pote? Non, non, non. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça. Bon, elle est pas terrible la cinématique, hein. Mais en gros, c'est... Oh là. C'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. En vrai, non, c'est pas de la merde. Voilà ce que ça fait. Ah. Comment je fais pour récupérer mon bouclier? Ok. Prends ta
menace. Les recherches sont terminées. Vous affirmez que ce gantelet ne sert qu'un usage. Mais il le fait avec un certain brio. Ah ça, on va aller un peu plus loin. L'archer, il est en train de me mettre... Il recrache, comme le feu. Il est en train de me défoncer, quoi. Son possesseur peut s'en servir comme une arme répugnante. Mais son esprit doit être pur. Bah ouais, mais je vais mourir, là. Il faut le disloquer pour en extraire tout le potentiel. Ils ont introduit une nouvelle arme et je vais mourir à cause de la nouvelle arme, quoi. Alors, c'est triangle pour changer d'arme, ok. Mais c'est de la merde, l'arme. Hein. Enfin, ça attaque à distance, mais c'est pas intéressant, quoi. Vous avez pas le bouclier. Et sans bouclier, vous êtes à la merci de Chou, quoi. Moi, je préfère faire ça, là. Hop. Vous arrivez en dessous. Et là, l'archer, vous le dégommez. Alors, pourquoi je vais me fatiguer à... avec une arme à distance, quoi. D'ailleurs, il me semble qu'il y a un petit chemin, là. D'ailleurs, j'ai pas écouté le parchemin, j'aurais dû. Grand Antanas, j'ai trouvé la preuve qu'il existait un Lord Regard réputé pour son armure impénétrable. Son bouclier est imbu d'un pouvoir formidable. Ils me protégeront du mal, car ils ont été construits en même temps que Clave. On comprend mieux alors qu'il ait eu à sa suite les disciples les plus dévoués. D'accord, du coup, il y a un mec avec une grosse armure. Secret mortel. Where is secret mortel? C'est de la merde. 17 dégâts. Je sais pas si... Ah ouais, je m'en souvenais bien, ouais. Là, il y a un petit truc, là. C'est marrant que j'ai des souvenirs comme ça, quoi. J'ai des brides de souvenirs qui me reviennent de temps en temps, quoi. Ça date d'il y a 5 ans, je suis assez fier de moi. Hein. Encore une arme, souffrance. Ah, les armes et les armures, on les enchaîne, hein, quand même. J'ai de la merde. J'ai de la merde. Ah. Où est-ce? Dites-moi! Où est quoi? Partez, ça ne vous concerne pas. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais un mort ne pourra pas vous renseigner. Ça doit être ton jour de chance, l'enfant de cœur. Quel était le problème? Ce sont des menteurs, et pire encore. Non contents d'avoir volé les trésors de ma famille, ils ont aussi dissimulé le portail. Quel portail? Le portail? La voie vers des lieux inaccessibles autrement. Des lieux regorgeant de secrets et de pouvoirs. C'est là que je me rendais quand les regards sont apparus sans crier gare. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est encore là? Le grimoire d'ascendance l'affirme, et il ne ment jamais. Ces moines des voleurs. Je les prenais plutôt pour des rats de bibliothèque. Ne vous faites pas plus idiot que vous l'êtes. Les gens d'ici sont aussi corrompus qu'ailleurs. Et avec la bénédiction de sa sainteté Antanas, je parie. Des années durant, ils ont spolié les villageois. Ils croient qu'on oublie, que la vérité est aussi facile à enfouir que les corps de leurs victimes. Mais ils se trompent. Je suis au courant de leurs actes. T'es au courant de beaucoup de choses, hein? Vous êtes dans un monastère. Les femmes n'y sont pas admises. Pas plus que les criminels. Et pourtant, vous êtes là. Si vous voulez jouer les inquisiteurs, parlez-moi donc de votre visage constellé. Ah, votre silence en dit long. À chacun ses... Tu m'as pas laissé le temps de répondre. Tu peux pas faire ça, hein. Genre, tu poses une question et... Ah, directement ensuite. Ah, je vois que t'es bouche bée, hein. Je dois partir. Comme vous voulez. Ça marche pas comme ça, les discussions, normalement. Est-ce qu'on peut level up? Oui. Oui. Encore de la force. Tout en force. Et maintenant, est-ce que... Elle est meilleure, l'arme? 51. Incroyable. Bon, par contre... par contre, c'est la lenteur, mais... C'est pas grave. On le vit bien. Hein.
Moi j'aime... Demon's Souls c'était un peu le jeu de la vitesse, là c'est un peu le jeu de la lenteur. Genre... Attention, il y a des monstres de votre côté. Ah bah merci, je suis au courant, je les vois. Je suis en train de me battre avec, je dirais même. Putain, je me fais martyriser. Ça c'est la lenteur, hein. Voilà, c'est quel patron? C'est quel patron? Et ça crache sur un ennemi, quoi. Eh, deuxième boss, putain. Oula, commandeur. Il est stylé, hein. Oula. Ça, c'était de la parade, ça. C'est de la parade où je ne connais pas. Oula. On va peut-être rééquiper le bouclier. Ah ouais, mais... Ça va pas être évident hein, si c'était une mauvaise idée en vrai de l'équiper, j'ai l'impression. Alors c'était limite mieux une arme plus faible mais plus rapide quoi. Ouais, qu'est-ce que tu fais après? Alors tu vas rester comme ça toute ta vie? Ou alors faut que je m'approche peut-être? Ah ok, j'avais pas compris. Vous savez, il faut du temps. Hein. D'ailleurs, on va changer d'arme après cette vidéo. Hop, on va changer d'arme, on va mettre une arme un peu plus rapide quand même. Parce que sinon, je vais avoir du mal à le tuer. Hein. Il faut le first try. Hein. J'ai pas envie de mourir. Je tryhard. Alors on va le coller. Là on prend masse dégâts quand même. Ça va être compliqué de le first try je pense. Aïe aïe aïe. Je sais pas à quel moment l'attaquer. À ce moment là. Et à celui-là aussi. Ok, il a passé une deuxième phase là, non? Là, il est à la phase 2. Calme-toi! Oh là! Ah, dommage! Dommage, on était pas loin de lui faire un peu de dégâts là. Ah! C'est dur. Il faut que je prenne le moins de dégâts possible. Oula. C'est compliqué là. Oula. Il en fait deux maintenant. Mais c'est le jeu de la lenteur. Hein. C'est vraiment le jeu de la lenteur. Ok, il va faire pop un autre. Là, il pop littéralement sur moi quoi. On lui a fait bien des dégâts là. Les mid-life. Ah dommage, on était loin là. On était loin mais on a réussi à lui faire quand même un peu de dégâts. Dommage, on était pas loin là. Ah, j'ai changé d'arme, ça... Je l'ai payé un peu.
Ah! Là, c'était la... J'ai grid un peu. Et ma grid, je l'ai payé cher. Hein. Je l'ai payé une potion de soin, quoi. Personnage, ok. Ah putain, il s'est enfermé dedans quoi. Oh mais non, mais ça c'est débile. Ah ok, il est là-bas. Ah, il y en a deux. Oui, ok, il y a celui qui est bloqué et celui-là. Ça va être compliqué quand je vais avoir le commandeur et... Le petit avec. Est-ce que il est lock là le boss ou il va réussir à. Non ok il est pas lock. Par contre là ça va être galère. Ah bah ouais mais. Bon, c'est la mort. Ah, dur. C'est très dur à accepter. Bon. On va retry. Oh, ça, il est directement là. J'espère qu'il va pas me refaire la même chose. Hein. Parce que s'il me refait là exactement la même chose, genre de faire pop le mob au même endroit où, là où il est, quoi. Pour bien me niquer. Ah, ça c'est dommage ça. Des dégâts là. On va utiliser un peu de magie en vrai. On l'utilise pas, mais en vrai là ça peut être grave utile. Non mais là tu triches là. Faut que tu regardes mon clone. Ah ouais, mais le jeu il triche. Ah c'est bon, il regarde mon clone là. Ah ouais, il regarde mon clone quand c'est fini quoi. Hop, deuxième clone. Ok, ça va. En vrai là on s'en sort beaucoup mieux que le premier try. Il y a un peu de chi derrière moi. Ah ça fait mal au cœur là, le raté que j'ai eu là. Ah. Voilà, je manque un peu de réussite là sur les deux. Ah, j'ai clairement manqué de réussite. Aïe, ah là je l'ai payé. Ah, je m'en doutais. Oula.
On va abuser. Hein. Bon, là, le résultat du combat va dépendre de ce moment. Voilà, là j'ai eu de la réussite là. Ah, j'en ai eu un peu moins là. Et voilà. Ah, j'ai été touché dans le dos. Enfin, de dos, il m'a touché quoi. Attention, ça va se jouer ici. Ici et maintenant. Ok. Bon, deux tries, ça va. Le commandeur est KO. Le commandeur a bien été martyrisé quand même. Bon, le combat était très long. Du commandeur. Ah. Encore la même erreur. Hein. J'appuie sur rond pour sprinter. D'ailleurs, t'as quelque chose à me dire? Encore vous? Vous voulez peut-être m'aider? Je cherche une dague, ordinaire et rouillée. Vous ne l'auriez pas vue par hasard? Si je l'avais vue, pourquoi vous le dirais-je? Parce que je connais bien des choses sur cet endroit, espèce de balourd. Des choses qui pourraient vous servir. Une énigme. Devinez qui possède une clé ouvrant l'entrée secrète des catacombes. Ne vous fatiguez pas. C'est moi. Ok. Je n'en ai cure. Bon. Bah, c'était un très bon épisode. Deux boss en un épisode. Et qui plus est le premier épisode, quoi. C'était un très bon épisode. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Bien sûr. Et dans la prochaine, nous allons casser des culs. Continuer à casser des culs. Dans mon souvenir, c'était quand même un peu plus compliqué. Il faut croire que j'ai gagné en expérience et aujourd'hui, je suis un joueur accompli. À très bientôt pour la suite, hein, bien sûr. Au revoir.